Bonsoir, je suis là pour vous présenter le Wattfire S, un petit dernier téléphone de chez HTC. Alors, que dire sur ce téléphone? C'est qu'il a un appareil photo de 5 millions de pixels avec flash, qui vous permettra de partager avec vos amis les vidéos et les photos du quotidien, dans un encombrement de 3,2 pouces, qui est plus que raisonnable pour l'utilisation au quotidien, notamment de messages. Comme vous pouvez constater, le clavier AZERTY est plus que facilement utilisable. Alors moi, ce qui me plaît particulièrement sur ce portable d'entrée de gamme, c'est qu'on va avoir d'origine le Google Maps Navigation, qui va nous permettre, le cas où on se perd, d'avoir la technologie GPS avec le Google Maps. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si je me perds, bah, je vais pouvoir retrouver un trajet à l'endroit où je souhaite aller avec la localisation et l'addiction au niveau du téléphone. Alors petit par la taille, oui, mais la puissance accès 600 MHz suffit largement. Donc pour une utilisation d'entrée de gamme, je le trouve plus que bien. Donc à mon avis, c'est un premier portable abordable, mais avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, qui suffira largement pour une utilisation au quotidien.